On va juste essayer. Un. Deux. On se prépare. Trois. Regarde ce que tu retiens. Regarde ce que tu retiens. Regarde ce qui t'a échappé longtemps. Si c'est la vie spirituelle, si c'est ton foyer, si c'est tes revenus. Parce que quelquefois, l'ennemi, il met un pont entre tes revenus et la pharmacie. Et tu passes tout ton temps à la pharmacie. Tu vas briser ce pont-là ce soir. Quatre. Cinq. Ça commence à venir. Retiens encore. Parce que Dieu, c'est pas qu'il fera paillette. Non. Dieu fait paillette sa victoire ce soir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Tu ne retourneras pas tel que tu es venu. Parce que quand tu as fait la rencontre avec Lazare, il a dit Lazare. Regarde ce que tu le tiens, regarde ce que tu le tiens. Deux. Trois. Pour que tu entends la voix de Dieu.
Parce que son père était idolâtre. Et là, il était idolâtre. Mais il a vécu avec Abraham à Mésopotamie, c'est un endroit où le fétichisme ne voulait plus rien. Mais Dieu avait besoin de lui, il a fallu qu'il le délocalise. Oh, moi, dit ce soir, je suis délocalisé. Ce soir, je suis délocalisé. Il faut dire, je suis délocalisé. Je suis délocalisé. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il le délocalise pour le relocaliser. Dieu te relocalise ce soir. Ce soir, quelque chose va mourir. C'est la peur, ça va mourir. C'est quoi? C'est la crainte, ça va mourir. C'est l'échec, ça va mourir. C'est le manque de prière, ça va mourir. Qu'est-ce qui va mourir ce soir? Quand Dieu a rencontré quelqu'un qu'on appelle Gédéon, vous voyez, c'est des choses que vous avez déjà lues. Mais quand vous lisez, faites attention à tout ce qui est dit. Pourquoi c'est dit? Gédéon était issu d'une très grande famille, d'une lignée très noble. Mais cet homme ne se connaissait pas. Il ne savait pas qui il était. Et le travail qu'il faisait, il ne savait pas qu'il avait sauvé sa famille comme ça. Alors Dieu le rencontre. Dieu lui dit, vaillant héros. Il dit, mon Dieu, tu n'es pas de ce village. Tu ne me connais pas. On te dit, on t'appelle pour un poste. Et tu dis, comme je n'ai pas ce diplôme, ça ne m'intéresse pas. Au nom de Jésus, il faut que tu changes de mentalité ce soir. Que tu changes de mentalité ce soir. Alléluia. Vaillant héros. Yes. Dis, mon Dieu, tu ne me connais pas. Ici, là. Quand tu vois Mania, là, elle est la dernière. Et quand tu vois sa condition, même à sa récente, moi-même, je suis le plus petit. À partir de l'époque, tu deviens le plus grand de ta famille. De lui. La main de Dieu est sur sa vie. La faveur de Dieu est sur sa vie. La grâce de Dieu est sur sa vie. Oh, il se voyait comme quelqu'un qui est dernier. Il a oublié. La Bible dit notre Dieu que nous prions. Il est celui qui prend le pauvre, l'indigent de la poussière, pour le mettre où? Pour le mettre à la table des grands, avec des grands. Oh, je prophétise, tu mangeras avec des grands, tu mangeras avec des grands. Il est celui qui va prendre, il est celui qui accomplit les grandes choses.
délégance. Parce que Dieu sait ce qui est en lui. Dieu sait qui il est. Il le regarde. Et puis il dit, va avec la force que tu as. Donc il y a une force qui va être en lui. Il y a une force en toi que tu dégages. J'ai dit qu'il y a une force en toi que tu ne considères pas. Son mari était pasteur. Son mari est mort endetté. C'est pas possible. Son mari est mort endetté. Faut dire hélas. Mais quelque chose va se passer. En Israël, dans le temps, quand tu dois, quand tu meurs, on vient prendre tes enfants pour aller travailler à ta place, pour remplacer la tête. Si ça doit faire 30 ans, les enfants et madame vont travailler pendant 30 ans. Et cette femme-là, elle sort, et puis elle rencontre Élisée. Elle rencontre un serviteur de Dieu. Et puis elle dit, homme de Dieu, j'ai besoin de toi. Tu sais, mon mari, ton serviteur, parce que la Bible dit ce temps qu'il était fils des prophètes. Mon mari, ton serviteur, est mort. Ah, il a laissé des dettes. Mais le fiancé est venu, il veut prendre mes enfants plus moi pour aller faire des esclaves. Et je lui pose deux questions. Et ces deux questions, aucune fille ne cherche à ces deux questions sur cette terre. Yes! Que puis-je faire pour toi? Deuxième question, qu'as-tu chez toi à la maison? Pour qu'on puisse faire, tu as quoi pour qu'on puisse faire? Gédéon, il en avait, mais il ne savait pas. Peut-être comme toi, tu en as, mais tu ne le sais pas. Je te dis ce soir que tu en as. Je te dis ce soir, là-haut, je veux vivre dans cette église avec les grands. Amen. C'est parce qu'ils ont pensé qu'ils ne savent rien. Parce qu'ils ont pensé qu'ils le savaient. Et quand je les regarde, ça, quand je les regarde, je vois des personnalités en face de moi, mais ils se disent qu'ils n'ont pas qu'ils peuvent faire. Frère, Dieu s'en fout de l'endroit où tu as pu quand tu es venu te lèves. Quand Dieu le fait, il fait. Il ne demande pas les conseils de quelqu'un. Quand il devait te créer, il a dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Donc, ton devenir n'a pas demandé à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux qu'il devienne? Non, 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 non. Il a dit oui, je l'ai planté. Il dit je l'ai planté. Je l'ai mis là. Et je suis sur moi. Et fait de lui ce que je veux. Alléluia. 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 J'étais là, mais je ne connaissais pas. Et cette femme m'a dit, regardez, une femme sage, une femme intelligente, un regard, un vieux mort. Si je dis à cet homme que je n'ai rien, il ne pourra pas m'aider. Mais elle dit, parce que cette femme n'a rien du tout, qu'un petit pot dur dans le coin de la chambre. Et elle dit, tiens, tu as quelque chose. Et je dis, tiens, il y a quelque chose. Le produit que tu as, va chez tous tes voisins, ramasse tes bidons. Je te le dis. Tes bidons, tes vases, viens, rentre dans ta maison, ferme la porte sur toi et tes enfants. Et commence à remplir. Regardez, un petit produit. Prenez des vases. Et remplis, quand c'est fini, donnez les enfants, donnez les enfants, quand c'est fini, donnez les enfants. Quand c'est fini, quand c'est fini, quand c'est fini. Quand tout a été rempli, quand il a pu donner, les enfants viennent en plus, lui, c'est arrêté. Amen. Il
sur toi et tes enfants. Je vais te dire si tu veux aller loin. Un concurrent, un tueur de Goliath, ne regarde pas la réalité. Il n'écoute pas ce qui se passe autour de lui. Il ne vit pas selon les circonstances du pays. Il ne vit pas selon les circonstances du moment. Non. C'est-à-dire qu'il a fermé la porte sur lui et ses enfants. C'est-à-dire qu'il marche avec ceux qui ont la même compréhension que toi. Et avec cette femme, un petit pot d'huile, plein de vases, quelqu'un a entendu que le malade ou bien. Et il y a des gens qui cassent la foi. Demain, ta détermination. Demain, ta détermination. Quand la tour est remplie, c'est fini. Allez voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, va vendre lui et vis du reste. Toi et tes enfants. Et vous, au moins, n'a pas regretté. Est-ce qu'elle n'a pas regretté? Elle a regretté. Avant lui et père, lui, son mari est mort. Lui, dans toi et ta famille souffre. La capacité de Dieu en toi, tu es une solution pour ta famille. Et ta famille souffre. Tu n'as pas dit qu'il ne peut rien. J'ai dit à l'occupant. L'occupant, c'est quand tu l'as dit. Oui. Vous voyez quand on a l'occupant là. On n'est rien. À cause de toi, tu as commis ça. Son mari est mort. Pendant que lui était là. Est-ce qu'elle a cherché une pièce à l'air pour payer les dettes? C'est ce qui était là. Lui, tu es le symbole de l'esprit de Dieu en toi. En tant que l'esprit de Dieu est en toi, tu peux tout. Amen. Yes. Tu peux tout. Exode chapitre 31, verset 1 et 3. Quand Moïse est en train de la vie, il a dit à Moïse, moi je t'ai dit, choisis persévérer. Parce que je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Je l'ai rempli de sagesse, d'intelligence. Et je lui ai donné la capacité d'inventer tout cet ouvrage. Yes. Donc l'esprit de Dieu, moi je peux tout faire. Yes. Tu me laisses ta famille souffrir. Tu vas venir à tes bosses. Et tu vas dire à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. À partir de ce soir. Je refuse d'être nul. Je refuse d'être à l'arrière. À partir d'aujourd'hui. Le don de Dieu en moi. Amen. Vous avez besoin
d'être reconnecté. Vous n'êtes pas pauvre. Vous avez la vie. Cette vie, vous pouvez changer l'identité. Vous ne croyez pas? Hein? J'ai un camarade pasteur qu'on a traité dans un village. Un pasteur de l'Assemblée de Dieu. Au début, son église était un vieux saint. Les gens venaient. Et puis, quelques temps après, une église compétente, très très forte, arrivait ici. Sans laisser s'installer à côté de lui. Et dès qu'ils sont arrivés, quand ils arrivent, ils climatisent tout. Donc, quand ils ont climatisé, tous les fidèles se sont avancés sur les stations avant. Et puis, c'est resté au moins une trentaine. Et parmi les trentaines, là, il y a un professeur du lycée qui s'est levé la vie à ses frères. C'est pas pour faire concurrence. Mais regardez de nos jours aujourd'hui, les gens sont habitués à là où ils peuvent se sentir à l'aise par donner Dieu. Ça, on peut. Je vous assure, en moins de 2 ans, ils ont climatisé, ils ont changé la sonorisation, tous les gens sont venus. Vous pouvez. Combien vous voulez pas? Vous pouvez non? Vous pouvez non? La Bible dit à terre, répondra le succès. À terre, résolution. Répondra le succès. Quand vous devez venir, vous devez vous faire. Le témoignage du frère et de l'homme, si tu veux voir, pour toi qui connais bien la Rivière, dans la Rivière, tu vois Cap-Nord. Vous connaissez Cap-Nord? Cap-Nord, c'est-à-dire quand tu pars d'ici, Cap-Nord sur ta droite, sur ta gauche, il y a un bâtiment, il y a Copec. Juste dans le même bâtiment de Copec, tu cherches le salon Adonai Côté. Tu vas dans le salon, tu demandes après si c'est pas pour avoir. On te dira qu'il est là, mais il est pas là. S'il est là, tu ne sauras même pas que c'est lui. Parce que c'est Didier que tu vas rencontrer. Stéphane, il est là, mélangé par tous ses employés. L'humilité, frère, l'humilité, ça caractérise. Ça fait grandir. Amen. Ton argent, c'est pour Dieu. Je ne te dis pas la marche pour lui donner à l'euro. Non. Fais avancer l'œuvre de Dieu. Fais avancer l'œuvre de Dieu. Vous savez, le secret des frères de deux plateaux, ils ne sont pas mieux que vous. Ils ne sont pas mieux que vous. Non! Chose. Mais c'est des frères qui ont compris, qui se disent qu'il faut que l'œuvre de Dieu avance. Regardez, nous avons notre table de mixage qui est gâtée et depuis longtemps je ne me l'aimais. Il en reste un le vendredi passé. Un frère s'est émerveillé. Il m'appelle chez lui. Maintenant qu'on vient dans le temps des jeunes, jeudi m'appelle. Il me dit, pasteur, quand vous décidez que demain tu interviens, est-ce que tu peux venir à l'église demain? C'est-à-dire vendredi à 13h. Il est dans le salon ce soir-là, j'ai donné ce pasteur. Il dit, non, faites-le, faites-le. J'arrive, il me dit, appelle le père, c'est JC. J'appelle JC. Et puis je te lève. Quelque temps après, il descend avec un autre appareil. Avec un autre appareil qui amplifie le son. Le frère s'est levé. Il allait mettre 1,6 million dans la table de mixage pour son appareil. Il a assuré, vous savez ce qui s'est passé? Aujourd'hui même, il a eu un marché de 600 millions. Alléluia! Dieu, il ne manque pas. Amen. Personne ne doit de l'argent à Dieu. Non! Ce soir, il dit ma première fois que je viens ici. Il dit, je vais vous demander le temps, parce que le Dieu que je sais, il est grand. Il dit, je n'avais rien. Mais toutes les fois que tu parlais de table de mixage, ça me dérangeait. Puis quand je passe, quand je vois juste quelqu'un, puis je me dis, une
pas le temps.